Salut tout le monde, c'est Ben48 et nous voici de retour sur Life is Strange 2. Je sais que je suis en retard, hein. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Je suis peut-être un petit peu rouillé, c'est pas grave, on s'en fout. Nous voici donc, enfin, c'est cool pour moi du coup parce que j'ai deux épisodes, hein, à faire. La force de passer a été améliorée, vous pouvez désarmer, choisir et poser. Je m'en fous, je vais juste continuer mon truc. Ah, donc voilà, nous voici sur épisode 2 qui se passe dans la neige visiblement. Alors je suis totalement rouillé, donc on va juste regarder mes choix pour avoir juste un récapitulatif de ce qui s'est passé. De toute façon, on va avoir un récapitulatif, je pense, en lançant l'épisode. Mais alors, juste, je regarde. Vous avez donné les rejoins. C'est faux, j'ai pas menti à Esteban. J'étais dans la naïveté de penser que si je disais que j'allais acheter des bonbons, en fait, il allait acheter des bonbons. Sauf qu'après, le père est mort, donc en fait, j'ai pas acheté des bonbons. Bon bah tant pis, j'ai pas eu d'argent. C'est pas grave, à partir de maintenant, je vais être honnête avec mes sentiments et ce que je compte faire. Alors je vous préviens juste que si je regarde de temps en temps à droite, c'est pour vérifier que tout marche bien. Parce que puisque ça fait longtemps que j'ai pas tourné, entre temps j'ai dû changer d'ordinateur. Enfin j'ai changé d'ordinateur, j'ai changé la carte mère, la carte graphique, patati patata. Donc je suis dans une toute nouvelle configuration. Je sais pas du tout si tout va bien marcher. J'espère, parce que j'ai pas envie de tout me retaper. Donc j'ai un nouveau logiciel pour la caméra. J'ai Audacity qui a changé. Je savais pas que c'était possible, mais Audacity a changé. Donc, j'espère que tout va bien marcher. Je sais pas, parce que des fois, la caméra saccade. Donc, j'espère juste que ça va bien rendre au final. Bon, au pire, il y aura pas la caméra, hein, parce que l'audio a l'air de bien marcher. Donc, voilà. Donc, nous voici pour deux épisodes. Je pense que je vais juste tourner une heure, parce que deux heures, ça m'a l'air un petit peu long. Donc, voilà. Aucune sauvegarde des aventures est détectée. Améliorer votre expérience. Non! C'est faux, j'ai joué à Captain Spirit! Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur B? Oh merde, non, il m'a ouvert Steam ce con. Ok. Oh le fail! Bon bah. je vais devoir réinstaller Captain Spirit parce que ce con, je pense, puisque j'ai supprimé le jeu parce que ça prenait pas mal de place, ce con a dû supprimer les sauvegardes. Oh quel con. Bon bah je vous retrouve tout de suite, je réinstalle le jeu, je vous retrouve dans deux heures. C'est bon, me revoilà, donc j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Hey yes, c'est bon, il a chargé ma sauvegarde, merci Steam. Merci de m'avoir prévenu quand même, parce que ça aurait été chiant si il n'avait pas tout sauvegardé. Enfin je sais pas ce que ça va changer, c'est-à-dire qu'on va... Ah oui. Ah oui, parce qu'à la fin de Captain Spirit, on voit justement... comment il s'appelle? Daniel et... Enfin je crois qu'il s'appelle Daniel. Putain, j'ai oublié le nom des protagonistes, c'est des protagonistes. Ah, voilà, merci. Merci de me faire le recap, parce que ça fait 3 mois que j'ai pas joué. Ah, c'est trop bien! Un jour, un policier de merde est arrivé, et il a perdu son calme, parce qu'il y avait deux Mexicains devant lui, il savait plus quoi faire. Je peux comprendre, hein. J'ai deux Mexicains devant moi, je sais pas quoi faire, je leur tire dessus, hein. C'est évident. Pardon. Mais forcément, il y avait des connards à l'intérieur. Hunters try to tie them up, but the Wolf brothers manage to escape. Et j'ai rien volé. Help of a friendly bear. He showed them how to survive and helped them find a warm camp for the night. Ah putain, j'ai un chien aussi, merde. The big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. Un super. That's how they found themselves even further, headed to the faraway land of their pop. Where they hope to find peace. Est-ce qu'on va mourir à la fin du jeu? C'est ça ma vraie question en fait. Oula, on s'est importé. Yeah! C'est trop cool! Bah, j'espère de. Oui, bah, donc ce que j'allais dire, c'est qu'à la fin de Captain Spirit, donc le préquel de ça, enfin l'épisode qui se passe en même temps bizarre, on voit les deux protagonistes en fait, donc à nos grands-parents. Chez nos grands-parents, tu sais pas écrire ou c'est à nos grands-parents, genre c'est une lettre. 1er décembre 2016. Mais du coup, j'ai niveau timeline, je suis totalement perdu. Il me semble que c'était à l'époque d'Halloween. Oui, oui, c'est ça, parce qu'il y avait une fête d'Halloween dans le premier épisode. Donc là, on est 3 mois plus tard. C'est cool.
Et ouais, donc on a bel et bien un chien. Toi, tu vas tellement crever à la fin du jeu. Tu vas tellement crever. Je le sens. Je le sens. Oula putain, la musique est forte. Calme-toi. Et donc ouais, donc cet épisode va se passer en même temps que Captain Spirit. Donc les choix que j'ai fait dans Captain Spirit ont, d'accord, ont été apportés. Mais quel choix? Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai rien choisi en fait. That one's too easy. Look. Don't brag. It was too heavy for you a few days ago. La manette ne vibre pas, l'immersion est brisée. Je vous préviens. La manette ne vibre pas. Ah bah non, c'est normal que la manette ne vibre pas, c'est pas moi qui fait le pouvoir. Le chien. Le chien. Moi. Champignon. Ouais, vas-y, soulève les champignons. Non, non, je soulève pas champignon, c'est... S'il te plaît, respecte-toi un petit peu. J'ai un sac à dos. Alors... J'ai toujours les capotes, c'est un plus, hein, ça va servir, je suis sûr qu'elles vont servir au bout d'un moment. Je vais utiliser ces capotes, je vous le promets. Inventaire de Daniel. Ah, j'ai le sac à dos de Daniel et le sac à dos de Sean, voilà, merci, Daniel et Sean, merci. Où est mon sac à dos? Je veux savoir à mon sac à dos, il ressemble à quoi? Qu'est-ce que c'est? Not your usual shooting range, right? Ouais, je m'en fous, je veux quelque chose de gros. Le rocher là-bas. On va tester la distance. Il est pas très gros, mais il a la distance. C'est... Justement, essaye de tester. C'est comme les ricochets. T'en souviens? J'ai quand même des souvenirs du dernier épisode. C'est comme les ricochets. C'est, il faut continuer d'essayer. Celui-là, il est plus gros. Non, c'est exactement celui-là, non? Soulève le rocher. How about that one? I can do it with the small rocks, but not the big ones. Mais t'es chiant. Tu m'as dit, tu veux quelque chose de gros. Faut savoir dans la vie. Relax. Focus. I'll try. On va casser des culs avec tes pouvoirs, tu vas voir. On a déjà des idées de costumes, enfin un super loup, c'est génial. Enfin. Ouais, mon seul problème avec ces pouvoirs là, c'est que les pouvoirs de Max avaient créé du bordel. Enfin, on sait pas. Enfin, dans le premier épisode, c'était assez clair qu'il y avait un parallèle entre pouvoir et la tornade qui avait détruit Arcadia Bay. Enfin, qui avait pas détruit Arcadia Bay, merci, parce que j'ai tué Chloé, lol. Mais bah, t'as vu, t'as réussi. C'est trop fort, t'es trop fort. Allez. Holy shit. I did it. Bravo, succès déverrouillé. Like a boss. You're getting good at this. You see that mushroom? That was the biggest rock ever. Hors de question que je soulève Mushroom. Hein. Il va se passer quelque chose de mal, je vais le tuer. Je vais éviter de tuer Mushroom. Ah non, c'est une fille, me semble. Donc je vais éviter de la tuer. Soulève ça. Is this one too big? Yeah. Ouais. It's just way too massive. Je vais juste lui dire de soulever tout. Hein. Au moins, voilà, il n'y a pas de... Pas d'ambiguïté. How about those cans? Le plus d'entraînement, mieux c'est. Can you fly them all together without dropping any? Sure. Ah ouais. Look. Ça va, il est inventif avec les entraînements. Oh putain, il est, c'est tellement élevé de Stranger Things. You're getting way better at this. Il bouge même plus sa main, hein, c'est. Come on, dude. That's just the start. Il a sa gueule de concentré là. Comme... Cool. You're like Coach Aaron. You're my power coach. Ouais. A snowball fight? Not yet. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Cool? Okay, but you better not hit me. Like that time you gave me a bruise? Serious. You won't let me, right? Je lui ai fait un bleu. Try it. Ou est-ce que c'est juste une référence à quelque chose qu'ils ont vécu plus tôt? Vas-y, je vais toucher Mushroom. Non, non, vas-y, hop là. Pardon. Ah, utiliser L pour... Ah merde, j'ai pas vu que je pouvais régler la puissance. Ready?
crochet. Ooh. Yes. Look. Look what I can do, Sean. I knew that you could. I've taught you well. But you, you're a master student. Hey, that still sounds nasty. You're not getting better. I told you. I'm fine. Just a little beat. Well, you need to rest now. Superhero. Je crois détecter. Donc ouais, ce que je disais par rapport au pouvoir, c'est est-ce que ces pouvoirs ont créé de la merde? Yeah. Let's just fill up the canteens before we head back. D'accord. C'est ma seule vraie question en fait. Elle that cough has been going on for days, Daniel. Oui, je sais, ta gueule. I really don't like that. Je parle. I told you. I'm fine. We've just. We should fill these up now. Ouais. Don't want to go out during the night. Ouais, je sais. Donc tu fais gaffe avec tes pouvoirs, t'abuses pas trop, d'accord? Voilà. Here we go. Et le fait qu'il est malade, je suis sûr que c'est parce que j'ai pas volé des trucs dans le magasin là, j'aurais pu voler. Il me semble qu'il y avait un pull ou un truc du genre, enfin du matériel de camping. Ranger Diaz. Ranger feignasse, bien joué. Nice work, Daniel. On va lui féliciter par rapport à ce truc. Training sessions are paying off. Bah oui, ça sert à rien de lui apprendre des trucs s'il peut pas l'utiliser. Voilà. En plus, j'allais dire, ne lui demande pas de l'aide parce que tu vas le... C'est pas grave, on s'en fout. J'avais pas envie de lui dire aide-moi parce que j'avais pas envie qu'il plonge les mains dans l'eau, mais c'est pas grave. Il est intelligent, il sait utiliser ses pouvoirs. Bientôt, tu vas pouvoir te torcher le cul avec tes pouvoirs. C'est pas fantastique, ça? Quoi? Où ça? Où ça? Tue-le! Soulève-le! C'est faux. C'est pas fou, c'est faux. Non mais reviens! Non mais j'essaie d'explorer! Fais pas mon boulot à ma place! S'il te plaît, laisse-moi un petit peu d'indépendance. Oh, come on! Not again! We gotta leave these poor bunnies alone. Bah oui. Hey! It's been a while since we last saw that rabbit who lives in there. Yeah. I hope it wasn't eaten by a bear. J'ai pas envie de jouer un tour. Worse. Mais non, what's worse than a bear in Nano? I don't know. Wolves? Don't worry. Je crois que c'est nous les I don't know if I could gut an animal anyway. Don't worry. We're the only wolves around. Oui, c'est bien. Laisse-moi vaguer mes propres pensées. C'est quoi ce truc? Il est terrifiant. J'espère qu'il ne va pas prendre vie. Oh! Est-ce que tu peux donner de vie à des bonhommes de neige comme Elsa? Vous avez vu mes références? Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, what's that? Looks like a box or something. C'est un easter egg. Daniel. Yo, Daniel. J'ai besoin de toi. Come here. Bouge ça. What's up? Can you fly that box down from the tree? De toute façon, il faut entraîner Daniel pour être sûr qu'il puisse soulever... comment il s'appelle? Chris, je crois, à la fin de l'épisode de Captain Spirit. Parce que sinon, il va se casser la gueule. T'aurais pas pu le ramener vers moi? Non, c'est trop te demander. Sean? Quoi? The family that lived here. Oui. What do you think happened to them? Ils sont tous morts. Non, ils ont déménagé, c'est bon. Must have moved out. C'est bon, c'est. Let's check this out. On va pas dire ils sont morts. Ils sont encore dans la maison. Cardboard caps. Badges. Oh, prends un souvenir. Is that a power bear? He's wearing a different costume. Maybe an old design. Awesome. Can we keep it? Sure. That's pretty old school. Cool. Je me demandais, est-ce qu'ils vont me faire faire un choix moral sur... Ah, j'ai un succès. Sur, est-ce que tu voles la propriété de Johnny, là? Parce que c'était marqué John Property. Mais bon, ils sont partis, hein. C'est... J'ai trouvé, c'est à moi. Na. Runaway millennials. Part-time forest squatters. Mais tu sais pas écrire.
Enfin, je sais pas. Non, c'est pas difficile d'écrire à même. These kids today? Qu'est-ce que tu t'en poses des questions? Mon dieu, t'es pire que Max. En même temps, si je continue à regarder tout, ça sert un petit peu à rien. Un piège. Mais est-ce que tu veux vraiment tuer des animaux? Yep. Not me tonight. Ouais. C'est... Il faut mettre un appât, hein, parce que comme ça marchera pas. Vieille hache. Ah, prends-la. Daniel helps me slice wood by holding the logs with his power. Ah bah tu vois il est. Tu vois il est utile. On va tellement faire une fortune avec ce gamin. Hein? C'est pas une mauvaise idée. Hein. Il est où? Où est Daniel? J'ai perdu Daniel. Daniel's getting cold. Daniel, rentre. Daniel? Oh putain il est là. Daniel, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Est-ce que je peux explorer librement sans que tu me fasses chier? Très bien. Il n'y a pas une jauge de température ou je ne sais quoi, enfin un truc qui va le tuer. Can't really name Birch, right? Non. Probably the name of a child who used to live here. Elle est morte en fait sur cet arbre. C'est pour ça. Ah. Ok, donc je lui ai dit c'est ok de dire des gros mots. Daniel's not getting any better. Et du coup il va pas arrêter de dire putain toute sa vie. House, with proper windows and... Heating. Oui, oui, c'est ça. Mais on va pas rejoindre nos grands-parents, hein, je sais pas, c'était pas ça le plan. Parce que rester dehors en hiver, en effet, c'est pas du tout à mon plan. J'ai appelé Daniel, mais il ne vient pas. Ah, ça y est. Viens, au pied. Sean, tout de suite. What is wrong with my traps? I haven't caught anything. Parce qu'il n'y a pas d'appât. Wildlife 1, Daniel 0. I guess. Mais il n'y a pas d'appât, crétin. Tu veux pas jouer avec le bâton? D'accord, très bien. Je te propose des trucs, mais tu veux pas, hein. C'est pas ma faute, c'est pas mon problème. Est-ce que tu peux pas t'asseoir et dessiner un truc? I went canoeing with Dad on Wenatchee River once. Water was freezing cold. But we had so much fun. Not really. Really? Putain, entre ses pensées et son dialogue, son rêve, j'arrive plus à suivre. You eat like a bear, but you don't gain any weight. That's because I work it off. Ah d'accord. Je vais continuer d'examiner les objets aléatoirement pour être sûr qu'il se souvienne à quel point il est triste que son père soit mort. Je suis inconnu. Tu vas tellement mourir. Oh, mais tu vas tellement mourir. Tu vas pas survivre un épisode. Les paris sont levés. We'll make a fire. We're pros now. Ouais. Il n'y a pas de pyrotechnie. Dude, that cough doesn't sound too good. I'm okay. Mais ça va, c'est... Just cold. Ouais, ouais, c'est ça. Tes pouvoirs vont soigner. Level up. I did. That was so cool. It's getting easier every day. C'est logique. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People will freak out. And when people freak, déjà que vous êtes Mexicain, donc ça va pas aider. They call the cops. Exactly. The second rule is... Never talk about it. Wow. Nice, Daniel. C'est un peu la même chose. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know. Come on. Ne pas faire du mal aux êtres humains. Okay. Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? Parce qu'on fait ça depuis l'épisode 1. I don't know. I mean, with my power, I can help us. Oui, tu pourrais tuer des gens. Seulement en tenir au cours, non, c'est dangereux. En dernier recours, oui, mais il est encore jeune et il contrôle pas vraiment ses pouvoirs. Donc, est-ce que le dernier recours, ça veut dire casser la nuque des gens qui sont contre nous? Parce que j'ai pas envie qu'ils tuent des gens. Bon, allez, en dernier recours. Only as a total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping,
Do that first. Maybe if I had used it before, Dad might still. Ouais, bah non, en fait, parce que tu les avais pas à ce moment-là. C'est justement sa mort qui a causé ce. Qui pouvait rien, j'aurais pas dû te laisser tout seul. Je t'ai pas laissé tout seul. Je faisais ma vie, t'es sorti, j'allais pas regarder un œil sur toi. Enfin, t'as 10 ans, ok, mais bon, t'étais dans le jardin. C'est le connard qui est venu. Enfin, en plus, c'est vrai, il est venu. On n'en parle pas assez, mais le connard, il est venu sur notre propriété. Qu'est-ce qu'il foutait dans mon jardin? T'y pouvais rien. Daniel, you didn't even know. Bah oui. That shit. Il est mort d'ailleurs ou pas? Was out of your control. But. Non pas que je souhaite qu'il soit mort, mais c'est une vraie question. To the policeman. Oui, bah c'est pas grave. C'est... Maybe this power is a curse. Non, non, c'est bon. Or non. Something. Non, non, c'est pas Satan, t'inquiète pas. We have no clue what happened. And it's not your fault. Putain, il va mourir sous mes yeux, merde. Don't worry, mushroom. I'm okay. Elle s'est moche. Elle va se choper la crève et she elle va crever. Hungry. What about you? I'm always. Mais j'ai pas envie qu'elle crève, hein, croyez-moi. C'est juste j'ai très peur qu'elle crève. Du coup, je vais éviter de m'attacher. I'll make us some dinner. Yeah. Before she eats us. Faire du feu. Oui, il fait du feu pour réchauffer Daniel. Priorité numéro 1. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, shit. Where did I put my lighter? Oh non, j'ai perdu le briquet de papa. Et mon casque qui commence à me faire mal aux oreilles. Je passe trop de temps devant l'ordinateur. Mushroom clung to Daniel on the first nights. But now she loves her bed by the fire. Bah oui, forcément. Thank God kids used to spend vacations here. Ah bah oui. Daniel would have been mad without these. Hot dog man. Ah oui, c'est mon sac. High school feels so far away now. Ah oui, c'est mon ancien sac. Là, c'est le sac de Daniel. Il adore les pommes de pin. Est-ce qu'il y a un symbolisme caché? The guy who came here sure had time to kill. Bah, c'est une propriété de vacances, donc forcément, quand tu viens ici, t'es en vacances, non? We scored with his clothes. Plus 5 street cred. Empire. À manger. Hey, Shroom. You thirsty? Ouais. Good girl. On est encore loin de. Feels weird to be living in their home. Dad, Maggie et John. Été 93. D'accord, j'ai eu très peur, j'ai cru que c'était Rachel Amber à gauche. Je me suis dit, oh putain, crossover. Mais non. Poor guy. I guess kids have to grow up anyway, right? Coucou papa, ta fille t'envoie bonjour de Miami. Il y a du soleil et ta forge. J'adore. Tom connaît tout le monde et je m'attends toujours à rencontrer Scarface. On est dans l'appart de son ami. Là, 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 d'accord, je m'en fous. D'accord, très bien. Super, je m'en fous en fait. Paquet de cigarettes. Oh, wish I had more than tobacco, to be honest. Then report to base. Et... There was a little bit left when we came. Pretty disgusting, but help staying warm. Pourquoi j'ai une icône en haut à droite, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Trouver le briquet de papa et faire du feu pour la... Qu'est-ce que j'ai fait? Non? J'ai une icône en haut à droite, elle me stresse. Bon. Feels almost good to be cut off from everything. C'est presque. Ouais. Crois-moi, encore quelques mois, tu vas sentir... le poids de la solitude. I hate it when I hear Daniel crying at night. Bah. Kind of weird to use stranger stuff every day, but. Ha. Not like we have a choice. J'aime l'ironie. Mon sac. Bonjour Daniel. Entre deux Daniel. Comment t'as fait ça? Nice work, Daniel. All that Minecraft paid off. Ouais, dans Minecraft, tu peux pas faire des trucs comme ça. Hein. Ok, c'est cool quand même. Affaire de Sean. Ah.
journaux. Oh yeah. He definitely cared for us. Ah, qu'est-ce qu'il avait à dire? Citoyen exemplaire et propriétaire d'une station-service située sur la 5... Sur la 5, pas sur la 5e, sur la 5. A déclaré qu'il avait pris les deux frères chargés à partir après les avoir reconnus dans son magasin. C'est faux, c'était en dehors de son magasin. Fake news! C'est un paradis que la police, que les frères chargés, ils allaient perdu à la dérive. Je voulais seulement les aider en leur cassant la gueule. How can I feel bad for him? Sœur de l'agent, une des victimes d'un mystérieux accident qui fait polémique, c'est ceux qu'il a reçu. Ceux qui critiquent le policier en ligne. Mon frère était quelqu'un de bien, cela ne faisait que 6 mois qu'il était dans la police. Il n'aurait jamais dû être seul ce jour-là. Je suis tout cœur à la famille Diaz et toutes les victimes. Oui, enfin, Internet. Pourquoi vous êtes con? Enfin, franchement, ça sert à rien de faire chier la famille des morts, sans déconner. Et clairement, c'était un nouveau. Mais bon, enfin, ça... pourquoi t'as tiré, mec? Pourquoi? Bon, c'est con parce qu'il est mort, mais ça dit pas si le voisin est mort. C'est chier. Blablabla. Un clavier, nous pleurons les morts, c'est courageux. Bah oui, hein, c'est bête. Est-ce que je peux bouger les papiers? Est-ce que je voulais pas les lire, je voulais juste les bouger. Wonder where Brody is now. Ah oui, c'est la lettre que... Oh yeah. No internet. Bah oui. Il y a un radio. C'est quoi? Qu'est-ce que tu lis? No excuse not to binge read. Ah bah ouais, là. Yeah. Daniel doesn't need to see this. Quoi? Patrick Hill, monsieur Patrick Hill. Nous vous écrivons pour vous rappeler que votre séance de chimiothérapie... Ah oui, putain, c'est... J'ai eu très peur. Ça fait partie des affaires du mec qui habitait là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai le cancer, c'est ça? Je fais une chimiothérapie? Pourquoi moi? Non, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Il y a un étage. Est-ce que je peux aller voir l'étage? Qu'est-ce que c'est? This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and keep it closed. Ah bah j'ai des médocs. Can't believe how much Daniel's powers have improved over the last weeks. Super. No way. Moi ça me fait un peu peur mais c'est pas grave. Too risky. Mais c'est quoi? Once you get used to squatting, it's not so bad. C'est une vie de merde, mais on s'y fait. Attendu, bah si. Ajoutez de l'eau. Hey. I put some clean water in the bathroom, so you can wash a little. Okay. T'as rempli avec quoi? Avec tes gourdes? Il y avait rien à l'intérieur. D'accord. Très bien. Bon, on va faire le feu. J'ai envie d'explorer, mais en même temps, je vais me dépêcher parce que j'ai envie de sortir de cet endroit de merde. Mais je me dis, il n'y a pas grand-chose à voir, en fait, ici. Here we go. C'est bon, j'ai déjà eu un succès par rapport à la zone, je peux partir. Hold on, mushroom. We're gonna build a fire. On va faire un feu, pas on va construire un feu. Ça se dit pas. Et la nourriture, on va la trouver où? Parce qu'il n'y avait pas de bouffe en fait ici. Enfin, je crois. Dang. Ah. Trouver une casserole propre, préparer le dîner. Guess it's time to start cooking. Ouais. Ah bah si, il y a des canettes. Yum. Too bad I can't make a pizza fly to us. Ah, ce serait bien ça. I could start Daniel's delivery service. C'est une bonne idée. Tiens, on va discuter de papa. He looks so serious on this picture. I still can't believe he's gone. Ah, ça va, ça s'est bien passé. I miss him so much, it hurts, Sean. I know, Daniel. Tough choice. It's okay to think about him. I do it too. Okay. Ravioli, ravioli, ravioli ou ravioli? Sean. Ravioli. How you doing, mushroom? Better talk to Daniel after dinner. Et pourquoi on a déjà parlé? C'est bon, ça suffit. I'm just glad we found you. Arrête de hey, lui parler. What are you cooking? Ravioli. Oh, I'm sorry. Here's your menu choices. Ravioli or ravioli? Okay, okay. Ne sois pas un connard, quoi. Never eating this again. Oh. Oh putain, c'est flippant.
No way. Ah non, I'm touching va. That. Mais c'est non, quand même, c'est un peu. What? It was published before you even born, Sean. Tais-toi. I could do a super cool manga about Daniel. Attends, c'est lui qui a dessiné ça ou c'est moi? C'est moi, hein, c'est... clairement. Oui, c'est moi. Dessin, non, je sais pas. On va dire oui. Man, I miss listening to music so fucking much. Non mais c'est bon, je t'enverrai la soundtrack du jeu par mail. Promis, dès que t'arrives à tes grands, chez tes grands-parents. Elle est où la putain de poêle? Dude, you'll be moving cars around in no time if you keep improving like that. Non. You really did so? Well, that'd be a bad idea, but you sure are getting good at this. I wonder if there's anyone else like me. Oui. I think we'd know it by now. Non. Bah non, clairement. Ah putain, elle était là. Daniel needs to eat something after all that psychic crap. Oui. Et ça affecte que les millennials, hein. C'est fou, ça, hein. Le futur est angsty. Non, ça se trouve, il y a des vieux aussi. La vieille génération. Qu'est-ce que tu veux, toi? Des raviolis? Est-ce que c'est bon, les raviolis pour... Oui, en fait, c'est bon. Ça devrait aller. Maintenant, j'ai faim. J'ai faim. Je vais me faire des raviolis. Non, c'est faux, j'ai pas de raviolis. Ce fut rapide. Nah, it's not ready yet. Ah, d'accord, ok. I'm a ravioli expert now. Dressé, je vais te dresser. En vrai, ready for today's training, puppy? C'est ça, elle écoute que Daniel sit. En fait. Shroom, sit. Seriously, girl, sit. Mushroom, sit, girl. Shit. Are you kidding me? You just don't know how to talk to her. I'll remember this. Traitor. I remember, ça me fait penser aux notifications des jeux Telltale en fait. Daniel s'en souviendra. Sean s'en souviendra. Tu veux parler de quelque chose de très déprimant? Regarde. Et ah, je peux te sortir pour dessiner. Au revoir. Je vais dessiner loin de ta gueule qui fait chier. Oh bah non. Non, tu vas choper froid. Retourne à la maison. D'accord. Va crever dehors. Je vais être artistique. Quelque chose que je ne comprends pas. Waouh! Et toi aussi t'as un super pouvoir, hein, parce que ça je sais pas le faire. Time to take the pen, dude. Peut-être que c'est juste parce que je suis stupide. C'est possible. Super pouvoir visuel! Ok. Got it. Oui, oui. Étudie la scène devant toi. Et surveille Mushroom aussi. Champignon, pardon. Pretty good. But I can add more details if I want. Oui, je sais. D'accord. Ça va, en fait. Moi, c'est intéressant, quand même. Si j'ajoute le stick dans tous les sens, ça va plus vite que si je fais des rotations. Putain, il dessine super rapidement, quand même. Chapeau, Daniel. Chapeau, Sean. J'ai du mal, hein. Je crois qu'en fait, mon esprit fait un raccourci stupide. En fait, Daniel, come c'est on, plus girl. Long. Let's get back in. Oui, oui, vas-y, rentre. Daniel, en fait, c'est plus long que Sean. Du coup, c'est Daniel le grand frère. C'est des raccourcis que mon cerveau fait très, très bizarre. C'est prêt? C'est moi qui demande alors que c'est moi le grand frère. Ok. Dinner's ready. On a des assiettes? Ah oui, on a des assiettes. C'est bon. J'ai faim. J'ai faim. Oula, j'ai des flashbacks à Until Dawn, là. C'est pas bien. Getting sick of ravioli. Je sais. That was spaghetti a la dies. Didn't you taste the famous truffle sauce? Yep. On va pas être chiant en disant plus, ne plains pas, c'est mieux que I rien. Love the garlic bread and ice cream. Voilà, c'est ça. Yum. Imagine que tu es dans un monde parfait où personne te déteste. Oh, you want some too, huh, mushroom? Oula, attention, c'est chaud. Tu peux aussi utiliser tes mains, parce que là, ce que je suis en train de créer, c'est un gros branleur. Bon appétit, mushroom. Man,
She loves this stuff. Il va plus jamais utiliser ses mains. Mais il va mourir. Cet enfant va mourir. Mon dieu, je me sens tellement mal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû voler cet enfoiré. Non, je vais continuer à être moral et décent. Hold on. Même si les gens en face de moi sont des connards. C'est compliqué, mais c'est où? Ok. Et s'il y a le propriétaire qui... Ah d'accord, ça va, j'ai eu très peur. J'ai cru qu'il allait l'emmener dans la porte qui était fermée et en fait il y avait le cadavre du propriétaire. Mais si, pourquoi tu veux lui montrer ça? Mon esprit fait des trucs bizarres. Qu'est-ce que tu fais? Où est la carte? D'accord, où est la carte? I wonder how far it can go. Où est la carte? Où est la carte? Je suis un crétin, où est la carte? Trouver la carte et parler à Daniel. Ah bah la carte elle est dans mes affaires, je suis con. Non mais j'ai un cerveau mais pas vraiment en fait. Nothing here. Là où alors? Daniel, what did you do with the map? Je l'ai brûlé. Tu l'as pas brûlé. What do you mean? You know what I mean. Where's the map that was with my stuff? Oh, this map. It's in my tent. Sorry, Sean. J'ai eu très peur qu'ils me disent « Elle est dans le feu !» Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Shroom. I can't get mad at you. Stop being so damn cute. Okay, come on, doggy. Let's go, girl. Daniel? Hey, man. Can you call your dog? I don't exist. Mushroom. Come here, girl. Je n'existe pas à ses yeux. Non mais j'avais vu que la carte était en dessous. What a great team. Oui, oui, en fait, dans cette équipe, tu n'existes pas en fait, c'est l'équipe entre eux. Time to play dad talk. Ça va être quoi? De quoi on va parler en fait? Pourquoi est-ce que t'es tellement anxieux? Sean, there's someone at the door. What the? When did he... Mother... Daniel? Got you. Yeah, okay. Good job. Je viens à chaque fois, on a le choix entre être agressif. You almost shit your pants. Oui, of course I did. On a un peu dit qu'est-ce qui se passe. Anyway. Non, c'est lui qui joue avec ses pouvoirs. Posez la carte. Je vais être sérieux. Tu étais chiant, maintenant c'est mon tour d'être chiant. Je vais être sérieux. Moi, je peux pas faire ça, hein. Donc je vais être sérieux. Okay. Et chiant. I think it's time for us to hit the road. Bah oui. You're not getting better. On va pas rester là. C'est pas un plan. We're almost out of supplies. No, I'm okay. Que tu sois bien it's ou pas. Cough. Non, que tu yeah, sois bien ou pas. A bad cough pas rester that won't ici. Go away. Trust me, Daniel. You need some medicine. Oui. Tu vas mourir, sinon. Look. Here. Beaver là. Creek. What's that? That's where Karen's parents. Our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and. T'appelles un cruste. Probably help us. Why do you always force us to run, Sean? What if they don't like me? Sont de la famille. They're family, right? Qu'ils le veulent ou pas. Qu'ils le veuillent ou pas, plus simple. Plus, they owe us for what Karen. For what mom did. You sure? It would be cool to spend Christmas with our grandparents. Man, they're gonna love you. Grandpa's super cool, and I'm sure you guys will be best buds. Well, okay. Oh, je parie que la grand-mère c'est la vieille qu'on a vue dans l'épisode de Captain Spirit. What do you say, girl? J'ai pas écouté. Qu'est-ce que t'as dit? Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. Oui. We have a long road ahead. We should do something fun for our last night here. How about a game of dice? Okay. If I win, I get the draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, pussy. Oh, hey. Party time. Attention.
Okay, ready to lose, Captain. Watch your butt, matey. Je connais pas les règles, aidez-moi. Règles du jeu, oui, s'il vous plaît. Lire. Bateau, capitaine, pas de matelot sans capitaine, pas de capitaine sans bateau. Donc faut que je fasse un 6, ensuite un 5, ensuite un 4, c'est ça? Quand le bateau, le capitaine et les matelots sont réunis, on peut tirer le dernier pour venir le butin. Qui arrive à 20 points de butin gagne la partie. ICO. C'est marrant. C'est intéressant. Allez, c'est parti. J'adore. Just need a 6, a 5, and a 4. Ok. Got a ship. It's better than nothing. Got a ship now. Yeah. Et quand est-ce qu'il joue? On 5. Yeah. Still incomplete? Jeez. Les sounds like a no score. Yay. No full ship. No score. Your turn, lubber. Eh, tu triches, ça va mal se passer. Hein. Je te préviens. Got a ship now. I need a captain. Come on. This game sucks. Eh, moi aussi j'ai perdu. Moi aussi j'ai perdu. Enfin, j'ai pas tout eu. Why don't I get a full ship? T'as trois bateaux. Zero. T'as trois bateaux. C'est bien, non? My turn now. Allez. Be ready to lose. Oh, shit. What the hell? Eh oh. You kidding me? I can see the dice rolling, dude. Ouais. Of course it's rolling. You're throwing it. You're too obvious, man. Bah oui. No point in cheating if anyone can see it. Jeez, okay. Need more practice. Ouais, salaud. Parce can que I je gagne. Something better this time? Jaloux, de toute façon, j'avais un 6, enfin, j'allais pas l'utiliser comme Okay. Aha. Got a ship. It's better than nothing. Ah putain, il faut que je le refasse à chaque fois. Mais c'est de la merde votre jeu, ça va durer 1000 ans. I wonder what we would have done if we didn't find these dice. I don't know. Probably read all these books. Boring. You remember that time I beat Dad at chess? You mean we beat Dad? Yeah, you did help me distract them. Normalement, c'est toi qui aurais déconcentré. I bet he would have liked this game. Definitely. He was a great pirate. Just like us. Captain Diaz, king of the seas. Lol. Come on, give me something. Anything. I don't get a full ship. Et moi non plus, et en plus t'as triché. Zero. Donc je devrais avoir des points bonus. Vous voyez, on se fait chier dans votre jeu de merde. Do you think grandma and grandpa will have a console? Non. I don't think so, dude. Sorry. No biggie. I like playing dice and stuff too. Whoa. Daniel the big nerd. Getting sick of the dreams. Oh putain! Remplir le bateau. It's nice for a change. But I still want my playbox. Yeah. Je vais gagner. Et ben voilà, j'ai gagné. Ha! J'ai gagné. I hope Noah's keeping our Minecraft fortress alive for when I come back. I'm sure he is, pal. No way he gave up your super kingdom. Ouais, je pense que les sauvegardes sont pas transférables. Yes. Mais attends, je peux jouer trois fois? Attends, j'ai pas compris les règles, on peut me les réexpliquer? All right. I just need a 4 now. Et j'ai combien de butins? Lol. Mushrooms growing up so fast. Ça va, really? Il accepte la défaite. I don't see much difference. Tu es nul. Well, ah, d'un 4. She's still a tiny dot. But I can tell she's getting older and smarter. You're a smart girl. Right? She's so cute. I'll love her forever. On joue jusqu'à combien? Jusqu'à 20, c'est ça? Better this time? Non mais ça va, c'est bon, c'est pas grave.
come on. Limite, j'ai envie qu'il gagne, parce que sinon, il va faire chier. Yes, full ship. Fail the hold. Good luck beating that, matey. Don't worry about that. Attention, c'est chiant. All right, your turn. Ah, c'est tendu, hein, attention. On se retrouve pour un nouveau match des Diaz. Yeah, yeah. Ah, je crois qu'il a gagné. Je crois qu'il a gagné. Et c'est Daniel qui remporte ce match. C'est bien parce qu'au moins il va pas faire chier. Yeah, okay. You want it. Here's my bag. Let's see. C'est cool, ça ferait un souvenir en plus. Hein? Est-ce que j'ai un succès? Here, what do you think? Dis-moi que c'est pas une bite. Is that ça va. Yes, I know I'm not as good as you, but. Ça va, ma bite n'aura pas été très. It's really cool, dude. Voilà. Thanks. So, let's do another one. Allez. Je sais que je me plains que c'est cher, mais c'est bon, c'est. I'm gonna au, beat you this pire, time. Je go- It's je getting go- late though, so let's make it short. Ouais, voilà. Okay. On fait jusqu'à 10 points, ok? Allez. Cool. Bisous. Give me the same. Nothing. Il triche, c'est ça. Doesn't smell good for you. Still incomplete. Jeez. Sounds like a no score. This is my last chance. Don't fail me. Yay. No full ship. No score. The dice are yours. Est-ce que ça va durer longtemps pas? Non, parce que. J'ai dit que je jouais, mais en fait c'était juste pour lui faire plaisir. What? Come on. Sit, please. Sit. Je regrette mes décisions. Got a ship now. Morale. Petit, tu peux gagner, au moins c'est fini. S'il te plaît. Come on. Give me something. Anything. Je pensais que t'avais un truc complet. Libérez-moi. Parce Come que tu es nul. Tu pues la merde et ce jeu aussi. Pardon, je suis méchant. Come on, my turn. J'adore les jeux de dés. J'adore les jeux basés sur la chance. Come on. C'est quelque chose We need que a j'adore. Ship. Franchement, c'est. Too bad. C'est ma passion dans la vie. Still incomplete. Jeez. Putain, j'ai que des 6. Sounds like a no score. C'est de la merde. This is my last chance. Toujours juste. Don't fail me. Yay. No full ship. No score. Tu l'as déjà dit. Tu te répètes. All right. Tu es vieux. Your turn. Voilà, on va passer. 6. Allez, 6. Voilà, c'est bien. 6. Je passe. 0. My turn now. Je passe. Loose. En plein bateau. Oui. Okay. Oui. Donnez-moi des points. I'm ready to set sail. Oh, hey, pretty good loot. Ça me fait quoi, 8, c'est ça? Ah, tuez-moi. Zero. Oui, 0. My turn now. Exactement. Be ready to lose. Perdre. Oh. Calme-toi. Okay, I'm ready to set sail. Putain. Petit point par petit point. Not the best score, but I'll do better next time. Il est encore à zéro, mais c'est bon. T'as le temps. Allez, c'est bon. Il est nul. Il est nul. Six. Six. Ooh, good throw. Ça va. Parce que la dernière fois, il avait des trucs pétés quand même. À chaque fois qu'il avait un butin, il avait genre des 6, des. Enfin, il avait direct 10. Let me throw. N'importe quoi. Moi, ça me rassure sur le fait qu'il ne triche pas. Parce que sinon, okay. Il devrait déjà gagner. C'est mieux que rien. Oui, je sais. I need a 5. Ouais, ouais, oui. Just give me a 5. Remplir le bateau. Ok. Voilà, t'es trop fort. I'm ready to set sail. Non, mais non, remplis le truc. Voilà, c'est fini. Hey, j'ai gagné. Pretty good loot. Told you I win. Je sais que j'ai gagné. Voilà, boum. 26, j'ai battu ton score. So, let's do another one? Non, non, là, il se fait tard, franchement. Il commence à être tard. It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book.
J'ai gagné, je suis content. Quoi? She has to pee. Okay. I'll take her out for a walk. You're going to smoke. It smells like ass. You're right. Don't smoke. But it's our last night, so we can do anything. All right. Il va faire décoller le plafond. Tu vas regretter ça. Ferme la porte. Voilà, merci. Et un peu de respect pour ton petit frère, s'il te plaît. Voilà. Est-ce qu'on va être triste? Est-ce que je peux avoir les crédits? Parce que j'ai même pas eu le titre de l'épisode. Et ça va faire une heure que je joue bientôt. Est-ce que ça veut dire que je suis vraiment très nul? Elle est orange, c'est normal. Est-ce que ça veut dire qu'elle est encore plus cancérigène que les cigarettes normales? Tu es triste, hein? Montre-moi que tu es triste. Dis quelque chose. J'ai mis un champignon qui passe derrière, c'est tranquille. Ouf. Les étoiles sont très pixelisées. Je crois que j'entends Mushroom pisser. C'est très poétique. J'ai plus de bœuf. J'ai pas de la bœuf au début du jeu. Ah, t'aimerais bien avoir des pouvoirs toi aussi, hein. C'est con, hein. Je dois voir si c'est génétique d'ailleurs. Ça n'a pas de raison. Ça m'a plus être. Ça a l'air d'être lié à la personnalité si on pense à Max. C'était plus lié à la personnalité plus qu'autre chose en fait. Rules. Les règles. Bon, bah c'est super, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode parce que ça va faire 50 minutes que je tourne. Il s'est pas endormi quand même. Putain! Oh l'enclume quoi, il a commencé à l'air sa BD, 5 minutes plus tard il est déjà endormi. C'est bon, mais toute voix, demain on est parti. Donc. Attends, je vais dormir. Putain, c'est quoi ce. Sérieux, je vois des gens manger. J'ai envie de manger. Je vois des gens dormir. J'ai envie de dormir. Sérieux, je suis un pigeon. Je suis un mouton plutôt. Mouton. Je suis un pigeon aussi. Par contre, oui, j'ai pas parlé de ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un fuseau là derrière? Enfin, ça me fait juste penser à la Belle au Bois dormant. Est-ce qu'il y a un symbolisme caché? Si oui, je le vois pas. Par contre, j'en ai pas parlé, mais pourquoi ils ont plein de petites coupures? Enfin, lui et son frère, ils ont plein de petites coupures sur le visage. C'est très bizarre. Est-ce qu'ils se sont fait agresser? Ou c'est juste des branches parce qu'ils sont pas doués? Peut-être de la neige ou de la grêle, je sais pas. C'est très bizarre. Elle veut pisser. Ah. Oui. Oui, on hey y Daniel, va. How are you doing? It sucks. I'm coming. Qu'est-ce qu'il a? Il y a pas ça, il y a pas de place pour brancher ses affaires, c'est ça? Mushroom wants to go out. Don't you hear? Yeah, sorry. Oui, pardon. Move. Pardon. So, what's going on? It doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Ok, arrête de dire gros mots en fait. Okay, no more swearing. Sure. Like you're always polite. Come on, chill out.
What did you pack in? What the f- Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Your super strong big brother can help. Bah, il prend des trucs, t'as un gros sac. T'as pas beaucoup de trucs à l'intérieur, donc. Awesome. Thanks, Sean. Well, looks like we're almost. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as agrandi les dimensions intérieures, c'est ça? Where's Mushroom? Still peeing, I guess. I'm gonna check what she's up to. Non, non, okay. J'avais dit la fin de l'épisode. C'est laissez-la au moins vivre jusqu'à la fin de l'épisode, la pauvre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'écoute pas en fait. Remplir les cours. Oui, elles sont où? Ah voilà. Laissez-la vivre jusqu'à la fin de l'épisode, s'il vous plaît. Enfin, de l'épisode du jeu, pas de l'épisode de YouTube. S'il vous plaît. Respectez-moi un petit peu. Okay, all done. On peut y aller. Where the hell is he? Bah ça va, il est parti il y a 2 minutes. Putain, vous êtes stressé. Bon, en même temps, c'est normal. Hein. C'est vrai que c'est normal en fait d'être stressé comme ça. Daniel! Hey, you out here? Si je commence à avoir une traînée de sang, ça va pas aller. Daniel! Ouais, il y a plein de traces. Where is he? Daniel, reviens. Je comprends pas ces traces. Je suppose qu'il y en a un, c'est Daniel, et l'autre, c'est Mushroom, mais. We have a 2-day walk ahead of us. Better get going. What? What? Mais non. What the fuck happened here? Non, non, c'est là où il y avait le piège. C'est bon, tout va bien. C'est juste Mushroom qui a chopé un. Je crois. Daniel! Tout va bien, hein? Hein? That's not good. Oh oh. Non, ça va. Il a des super pouvoirs. Rien de mal va lui arriver, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais pas perdre Daniel. Au début de l'épisode 2. S'il vous plaît. Respectez-moi. Non mais je suis fragile au fond, hein. Daniel? Oh shit. Ah ah. Bon, bah je l'avais prédit. Do not move. It killed her! She was my friend! Calm down, okay? Listen. Leave me alone! No! Oh putain! Lorsque vous utilisez le... De pas intervenir. De pas intervenir, s'interposer. Non, 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 c'est calme-toi, calme-toi. Go away! Go! No! No! Mushroom! Ok, c'était très vieux. Oh putain, c'était violent. Oh putain! Daniel. I'm so sorry. Oh, ce pauvre gamin. Just wouldn't have changed anything to kill it. Non, non, ça. Je comprends pas, par contre, le truc de l'action bleue, j'ai pas compris. I'm right here. It's all right. Non, mais à ce rythme-là, ce gamin va, enfin, il va perdre son frère aussi, enfin, à la fin de. Enfin, je vais mourir au bout d'un moment aussi, hein, parce que ce gamin... Oui, il est maudit. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il est maudit. Non, non, c'est pas marrant, pardon. C'est dégueulasse. Je fais des blagues pour me rassurer de la merde qu'il traverse. Hein. Voilà.
Du coup, pas de bol, ouais, y a pas de corps. Oups. C'est pas ma faute, ok? J'ai rien fait. Here. You should do it. Il pourra même pas dire que c'est ma faute parce que c'est moi qui lui ai ouvert, c'est lui qui lui a ouvert. Non. Ok. En fait, je commence à avoir peur d'un très gros truc, en fait, avec ce gamin. C'est qu'il devienne un gros psychopathe, en fait. Parce que tout le monde... Des représentants de l'État et de la société ont tué son père. It's pointless. Oh putain, ouais, il devient... Oh putain. Oh là là. Well, unless you want to say something. J'ai très peur de ce qui va arriver, en fait. Parce qu'il va arriver... Il va lui arriver que des merdes. Il va devenir super dépressif. Et il va tuer tout le monde. I'll always remember. Running through the snow with you. Vous voyez le film d'horreur là sur un super héros, enfin sur un super gamin qui devient méchant, la Brightburn, bah ça va être lui. I'll never forget you. Ça va être lui. Never. Je vous promets. Thank you. Merci. Thank you, Mushroom, for looking after us in these woods. You won't be forgotten. Putain, elle a pas fait long feu. Sean. You think she's up in heaven? Oui. Dog with heaven. Dad? Ouais. Yeah. Definitely. I'm sure he will look after her. Ouais. Au paradis des chiens. Avec ton père. Wait. Pardon. Pardon. What about his allergies? Don't worry, Inanna. Oui, oui, c'est bon, au paradis, y'a pas de... There's no allergies up there. They'll be fine together. Je suis horrible. Oh putain. Okay. On peut y aller? We should go. Allez. It's getting late. T'as déjà traversé un deuil, un deuxième, ça devrait pas être compliqué. Okay. Hein? Là, tu vois, tu sais écrire. Ah mais non, ça c'est... D'accord, j'ai compris. Ouais, je suis trop heureux d'avoir fini cet épisode sur une note très positive. Dites donc. Wish we didn't have to go. I like having a house again. Come on. Let's hit the road. Cette maison, c'est... Fin, what about my traps? Should we leave them up? Ouais. They'll protect the next runaways to stay here. Ah oui. Enfin, je veux pas critiquer la maison des gens, mais bon, la maison, elle était un petit peu vide. Il y avait plus à manger, donc... Fallait partir. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, hein, qui était génial, hein. Fort en émotion. Putain, ça enregistre encore. Oui, ça enregistre. C'est oula, qu'est-ce qui se passe? C'est quand qu'on arrive? Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, en fait, parce que là, c'est reparti pour... C'est bien, en fait, parce que j'ai l'impression que chaque épisode sont coupés en parties, en fait. Dans le premier épisode, il y avait le prologue, on va dire, avec le père, et ensuite, il y avait la partie dans les bois, et là, pareil, il y avait cette partie dans la maison, et là, on va supposément aller dans la... dans le truc avec les grands-parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est les trucs de ravioli. Oh. J'ai des cuillères et des dés et une gourde. D'accord, ok. D'accord. Oh, un appareil photo. Il marche ou pas? Ah non. Bandana de champignons. Non, non, c'est des bandanas de Brody. Attends, c'est des bandanas de personne, visiblement, parce que tout le monde est mort. Non, Brody, il est pas mort. Qu'est-ce que je dis? Ok, bon, bah on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode de Life is Strange 2, hein.
C'est tellement différent du premier, j'adore ça, franchement, c'est vraiment cool. S'il y a toujours la patte de Dantnod, enfin de Dantnod, de l'équipe de Dantnod, ouais, en effet. Mais c'est pour le moment vraiment différent. Franchement, c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup moins aspect teenage, vraiment, à teenage movie dans un lycée, tout ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment un road movie, en fait. Et non, c'est vraiment intéressant. J'ai à la fois hâte et très peur de où le jeu va nous mener avec Daniel. Franchement, j'ai très peur du potentiel de baditude qui peut venir de ce gamin. Mais bon, je lui fais confiance pour le moment. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je vous vois dans le prochain épisode. Oui, je sais plus faire d'outro, du coup. Je vous dis à tous. Je vous vois dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ce gamin.